trois choses que tout le monde a oublié sur Fortnite. Il y a de ça quelques chapitres maintenant, on avait eu l'apparition d'un objet aspergeur de chrome qui nous permet de nous transformer en chrome et de passer à travers les constructions. Sur le papier, ça paraissait vraiment cheaté, mais au final, les joueurs n'avaient pas accroché et c'était pas non plus le truc le plus répandu dans les games. Moi, perso, je l'avais oublié au bout de quelques semaines. La deuxième chose, ça concerne la zone. On la connaît tous sous forme de tempête, mais est-ce que vous saviez qu'il y a quelques années, elle s'était transformée en eau suite à un événement avec Midas? Pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'était vraiment super stylé, c'était très bien fait. Bien évidemment, c'est resté là temporairement, ça faisait partie de l'événement, mais moi j'avais bien aimé, mais c'est vrai que j'avais oublié aussi. Et pour terminer, la troisième chose, c'est un système que j'avais adoré à l'époque et que j'aimerais vraiment que ça revienne. C'était le fait de pouvoir extorquer les joueurs KO. En fait, quand on les mettait KO, on pouvait les extorquer pour qu'ils nous donnent l'info sur la position de leur mate. C'était vraiment pratique en duo et en trio. Ça évitait que les autres se cachent et que ça prenne longtemps. Au final, ça a disparu il y a maintenant plusieurs mois. J'y pensais plus, mais si ça revient, je serais très content. Bref, abonne-toi.